j'ai toujours envie, quand on parle de Grangier, d'être très offensif. Et surtout aujourd'hui, où on est quand même en 90, on parle d'ouverture, de fin du stalinisme dans les pays de l'Est, etc. Or, j'ai l'impression que culturellement, il continue à y avoir un peu les mêmes blocages dans notre société à nous, qui datent à peu près de la même époque, hein, mettons les années 60. Et ça fait déjà de nombreuses années que je pensais que la redécouverte libre du cinéma, la revisitation, la promenade dans notre cinéma à nous pouvait se faire d'une manière forte et efficace. Je m'aperçois qu'elle est toujours un peu bloquée, et je m'aperçois que Grangier, on en parle, heureusement on est là pour ça, mais qu'il n'y a pas encore ce qu'il faut, et que ce qu'on a appliqué en particulier à la série B américaine ou même aux autres films américains, souvent d'une manière un peu à tort, parce qu'on a été rusé par exemple sur les auteurs Hollywood, ce qui était faux, bon, pourquoi on ne le fait pas sur le cinéma français? Qu'est-ce qui se passe, qui continue à y avoir cette espèce de méconnaissance? Je pense qu'il y a de multiples raisons, que les multiples raisons remontent aux années 60, il serait trop long de les développer, mais que je suis quand même extrêmement perturbé et triste quand je vois les films et que j'entends après ce qu'on en a dit et ce qu'on en raconte des fois encore aujourd'hui, que malheureusement les gens continuent à parler sur un système de référence et non pas sur du concret, c'est-à-dire sur les films eux-mêmes, que ce soit les films qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Enfin, je veux dire, bon. Alors Grangier, pourquoi? Parce qu'il est à un moment d'équilibre, qu'il est le moment, à mon avis, dont on a tous une énorme nostalgie maintenant en France, qui est le moment du film français dans toute sa puissance, dans toute sa cohérence et son incohérence en même temps. Il fait énormément de films, il tourne beaucoup. Il est le continuateur, bon, moi ça me touche plus, cette partie-là de son œuvre, du cinéma noir français, qui est, à mon avis, un énorme fleuve qui reste encore à découvrir. Bon, Grangier est un chaînon solide qui a fait avancer les choses, qui a amené Gabin souvent à des points importants, qui a recréé des personnages, qui a réinventé un décor. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder et ne serait-ce que ça, par le simple plaisir, premièrement, et deuxièmement, pour redevenir libre. C'est un mot que moi j'aime beaucoup parce que ça me paraît très important. Et voilà, enfin bon, il y aurait beaucoup à dire. Ce premier film, cette première mise en scène, c'est arrivé comment? Oui, c'est arrivé que j'avais été assistant d'un truc qui s'appelait Le Plancher des Vasques, charmant film d'ailleurs. Fait par Ducis, Pierre Ducis, qui est un copain, qui aimait bien bien. Et il avait un caractère de chien, Pierre Ducis. C'était Noël qui était la vedette de Stade et Maille, bien sûr. Et il s'entendait du pas plancher des vaches, tu veux dire? Ah oui, plancher des vaches. Et il s'entendait pas du tout. Alors, Noël passait par moi quand il voulait obtenir quelque chose. Et ça lui était resté dans la tête. Puis tu jouais dans Le Plancher des Vaches? Je sais plus. Tu crois? Il me semble bien, non? Tu faisais pas une scène d'instructeur dans un avion? Ah oui. Mais t'as raison, oui, si t'as peur, t'es mort. Oui. Oui, j'étais instructeur, ben oui, parce que on était en extérieur, on attendait un acteur de Bordeaux qui n'est jamais venu. Et Ducis m'a dit, bah t'as qu'à le faire, l'instructeur, c'est pas compliqué, quoi. On m'a mis dans la carlingue. Hein. La ravissante Betty Stockfield qui était derrière avec Noël, c'était la scène du film. Et moi, je devais lui apprendre à piloter. J'avais un texte extrêmement simple, je vais lui dire, écoute, c'est pas compliqué. Je le tutoyais parce que c'était le bon truc de l'aviation, enfin la familiarité des aviateurs. Je disais, pas compliqué. Voilà les quatre manettes, les gaz, mais surtout, faut pas avoir la trouille. Si t'as peur, t'es mort. Si t'as peur, t'es mort. Et quatre fois de suite, à quatre prises, j'ai dit, si t'as mort, t'es peur. Et je m'en rendais pas compte. Que moi, j'étais doué. Hein. Alors à la fin, on l'a coupé, puis on a resynchronisé ça plus tard. Mais ça a fait la joie de tout le monde. Alors si je comprends bien, en fait, tu es devenu metteur en scène par dépit, quoi. Oui, par dépit, parce que oui, un acteur raté, ça fait oui, un metteur en scène. D'ailleurs, Noël m'appelait le Clark Gable du désastre. En fait, c'est plus. Ah oui, j'aurais bien aimé. Tu vois, j'ai bien fait. J'ai bien fait, enfin. Je me suis fait mon mauvais sang, parce que. Je fous le trac d'être devant la caméra. Mmh. Ouais. Et c'est Noël qui. Alors, c'est Noël. A mis le pied à l'étrier, si je puis dire. Alors, après, il a vu avec l'histoire des Démaïques qui a été écrite par Colline. Noël était évidemment un lecteur de ça. Et il avait. Tu vas voir comme les mœurs, c'était agréable à cette époque-là. On était trois types sur l'affaire. Il y en a un dont je me souviens plus, mais l'autre, je m'en souviens bien, parce que c'était un ami en plus, puis c'était une épée, c'était Becker. Jacques Becker. Jacques Becker. Jacques Becker, Grangier, puis le producteur hésitait beaucoup, et je pense qu'il aurait pris Becker. Et Jacques me téléphone un matin en me disant, dis donc, j'ai signé dernier atout,
débrouille-toi la route d'Elim, hein, je me sauve de l'autre. Gamers, je ne sais pas si ça continue comme ça, mais c'est un peu grâce à ça que j'ai fait. Oui, parce qu'il y a une chose très importante dans le générique de ce film, d'ailleurs, que c'est dommage qu'on ne le reproduise jamais dans l'histoire du cinéma, c'est que d'abord, c'est produit par les prisonniers associés, donc on est encore en pleine guerre, les prisonniers associés, et qu'en plus, tout le monde, tous les noms génériques sont suivis d'un nom de Stalag ou d'Oflag, c'est assez extraordinaire quand on voit ce générique, c'est complètement stupéfiant. Parce que c'était... Enfin, ces prisonniers associés ont été montés à condition que c'était un petit peu, si tu veux, une espèce de repêchage au retour de captivité. Toute l'équipe technique devait avoir été prisonnier. Enfin, on n'engageait que d'anciens prisonniers, pas les acteurs, bien sûr, mais l'équipe technique. Alors, on avait tous passé un an ou deux, ou trois ou quatre au Stalag. Moi, j'en avais passé deux. J'avais très bien compris comment ça marchait. C'était ça, tu vois. Je ne suis pas échappé, je suis pas évalé. Je suis tombé sur un tout-bim épatant. J'avais un petit emmerdement à la jambe, il en a fait une... C'est devenu une gangrène administrative, si tu veux, on m'a rentré à toute pompe. Et le personnage d'Adé Mailly, bon, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on en parle 40 ans après, mais je vois, il y a très souvent des hommages. Par exemple, à Noël, Noël à la Cinémathèque, le personnage d'Adé Mailly était très célèbre. Très célèbre. Mais attends, ils en avaient fait. Dire ce que, qui c'était un peu ce personnage. Qu'est-ce que c'était C'est un espèce de naïf. Mmh. Vous voyez, c'est un naïf. Mais malin. Naïf, malin. C'est pour ça, Noël, c'était merveilleux. Mmh. Un naïf assez tard physiquement. Et puceau probablement à 30 ans. Mmh. Et extrait. Et comment dire, moi j'ai fait le mien, il se passait en Corse, mais il y en a eu deux ou trois avant, formidables. Hein. Je me rappelle le nom de mes confrères, mais il y a Adé Mailly, aviateur, qui était fantastique. Et Adé Mailly au Moyen-Âge. Adé Mailly au Moyen-Âge, qui était merveilleux. Ouais. Mais c'est censé se passer en Corse. Oui, c'est censé. Ah bah oui, parce que, étant donné que c'était l'occupation, c'est la fin de l'occupation, les Allemands n'ont jamais voulu qu'on aille là-bas. Alors on a fait ça en Haute-Provence. On avait ça en Haute-Provence et à Saint-Maurice. On a raccordé à Saint-Maurice. Le plus gros, écoute, c'est très drôle parce que le gros souci du régisseur des Damaïs, c'était de retrouver à Saint-Maurice une vache qui ressemblait à celle que j'avais eue en Provence. Et tout était axé là-dessus. On ne tournait pas parce qu'on n'avait pas la vache, on tournait parce qu'on avait la vache. Puis si la vache avait des humeurs, c'était incroyable. Incroyable. Enfin, c'est le bon temps. On tournait de nuit en plus. Ah oui, parce que. À ce moment de l'occupation, je ne sais pas si vous non, tu peux pas te souvenir de ça, toi, mais les copains s'en souviennent. Seules les industries, j'allais dire convenables, les industries productrices et les industries sérieuses avaient de l'électricité. Mmh. Le cinéma n'avait pas. Mmh. Alors on tournait la nuit. La nuit, on avait le droit. Mais ça posait des problèmes insensés. C'est pas marrant de tourner la nuit. Je me rappelle les retours au petit matin dans le premier métro. Enfin. Et alors, tu as tourné aussi un film qui a une particularité, c'est dans l'histoire du cinéma, ils disent soit c'est le premier film de la Libération, soit c'est le dernier film de l'Occupation. Je pense au Cavalier Noir. Ah oui, le Cavalier Noir, pour moi, c'était une énorme chance, parce que ça a donné naissance à une dizaine de films derrière, parce que j'ai eu la veine. Il y avait une. Une excellente musique, il y avait un scénario d'André Paul-Antoine qui n'était pas mal du tout, et c'était un truc d'aventure. Et puis, il y a un type qui pointait là-dedans, qui était Guettari, et j'ai eu la veine que parallèlement, Guettari fasse une carrière de chanteur. J'en ai fait trop quatre avec lui. Mais le Cavalier Noir, c'était très étonnant, parce qu'on tournait les extérieurs du Cavalier Noir en Haute-Marne, et je me rappelle, on est parti en Haute-Marne, je suis parti en Haute-Marne dans un taxi avec Alerme, qui mourait de peur, parce qu'on allait vers l'ennemi pour finir. Et le jour où les Américains ont débarqué, tu vois, comme c'était chouette, hein, vraiment tout ça, des circonstances épatantes. Et alors, on est tombé en Haute-Marne dans la propriété du producteur qui s'appelait De Charme, et l'armée allemande se tirait. Si on avait été sur une route nationale, je serais pas avec toi. Parce qu'ils nous ont tout pris, les chevaux, les charrues, les machins. Sauf Chiquito, qui était le cheval vedette. Et j'avais une idée de génie, je l'avais planqué dans le salon. Ils n'ont pas eu l'idée d'aller chercher le cheval dans le salon du chanteur. C'est comme ça qu'on a sauvé notre cheval.
En tout cas, le Cavalier Noir, c'était un genre un peu curieux dans le cinéma français, pas évident, c'est la comédie musicale. Oui, c'est la comédie musicale. Alors, je me suis fait engueuler pour savoir. La critique était méchante hein, à ce moment-là. Je me suis vraiment fait engueuler. Et pour finir, ils ont fait, je crois qu'ils ont triplé ou quadruplé la mise. Ils ont fait l'argent fou avec ça. C'était rigolo. Il n'y avait pas de mauvais dialogue, c'était drôle. Il y avait quand même. Puis il y avait Alerme qui était sensationnel. Oui, mais tu es devenu spécialiste de ça. C'était très bien. Oui, j'en ai fait 4. C'était Guettari, puis après Luis Mariano. Oui, tu as fait débuter Luis Mariano. Oui, mais j'aime autant dire qu'on venait me chercher pour ce genre de choses-là. Hein? La confiance de Gavin, c'est venu plus tard. Et c'est Danger de mort que tu aimes bien qui a tout fait changer. Alors, ça, c'est. Danger de mort, c'est aussi. Je suis obligé de parler du souvenir. Le souvenir, il est vivant, il vit très bien, mais je le vois plus parce qu'il habite à Honfleur. Un garçon qui s'appelait René Weller, qui est un scénariste formidable, qui a fait un ou deux films, je crois, Premières Armes. Oui, oui. Mais son vrai métier, c'était d'être auteur. Il travaillait avec Orange. C'était la bonne école, tu vois. Et c'est lui qui m'a amené. Alors, moi, je lis le bouquin d'Ex-Braya, dans une mort, qui était une comédie. C'était marrant, c'était une histoire. L'histoire d'un pharmacien qui se gourde de flacons, il a une petite spécialité. Et puis comme il est père très tardivement, il se trompe, il s'aperçoit qu'il a vendu 4 poisons, il faut qu'il les retrouve dans la ville. C'était fait d'une façon très légère, et nous on a vu là qu'il y avait une tragédie formidable à faire, enfin un vrai film dramatique. Et c'est Weller qui l'a adapté, on a travaillé ensemble bien sûr. Et moi j'étais content comme tout parce que ça me sortait un peu de... Remarque, ça a attiré l'attention sur moi, ça m'a fait beaucoup de bien dans une mort. Mais publiquement il n'a pas marché. Pourquoi enfin, ça attire l'attention sur toi en même temps, t'es resté 2 ans sans travailler, je crois, parce qu'on a dit que tu prenais beaucoup au sérieux. Oui. Attention, qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a un autre signe très bizarre dans cette carrière, c'est Histoire de chanter. C'est ça, parce que, alors, après Georges Guettari, Luis Mariano, enfin, qui avait été apparu, je crois, dans un autre film, mais enfin, c'est son premier vrai film. Oui. Bon, à l'époque, c'est une idole. Hein, c'est une idole, il a vraiment un nom public. Et donc, il fait ses débuts au cinéma. Et qu'est-ce qu'il joue? Il joue un chanteur qui a une la voix d'un autre. C'est quand même une drôle d'idée. C'était une idée de René Weller, ça. Je crois qu'au début, il n'y a pas un type qui s'appelait Camille. C'est Camille, on a pris un bouquin de Camille. Et ben, c'était une idée de Camille au début, cette affaire-là. Et Weller a sauté là-dessus, il a trouvé ça très marrant. Il dit, c'est chouette de faire un film de chanteur avec un mec qui n'a pas de voix. Et on s'est ingénié à trouver une voix absolument, comment dirais-je, détonnante. Et on a pris Carrette. On hésitait longtemps entre Carrette et Bourville. Mais la voix de Carrette était tellement significative qu'on a pris Carrette. Alors, dans le film, Mariano à la voix de Carrette, c'était un gros boulot technique. Et Carrette à la voix de Mariano. Alors, Carrette sur son tricycle en train de chantonner avec la voix de Mariano, c'était assez curieux. Et Mariano arrivant en scène. Et tout ça était le résultat d'une opération aux cordes vocales qui avait raté. C'est-à-dire que chaque personnage ne savait pas du tout qu'il avait la voix de l'autre. Il l'a su dès qu'il a parlé. C'est Noël Rodver, je crois, qui est chirurgien fou et jaloux d'ailleurs, et qui avait volontairement donné la voix au belâtre, il avait donné la voix à la con, et c'est vers ça. C'était marrant comme idée d'ailleurs. Autre grande actrice, et puis autre retour à l'écran, j'allais dire, c'est Arletty. Ah, Arletty. Qui ne tourne pas pour les raisons que l'on sait à la fin de l'Occupation, et qui revient quand même. Grâce à toi, si je puis dire, dans L'Amour Madame, qui est le film qui la remet en selle. Ouais. Et grâce à moi, ça me fait plaisir que tu dis ça, mais c'est grâce à moi, grâce à Perrier et grâce à Ploquin. Parce qu'il fallait vraiment que tout le monde soit d'accord. Et ça fait aucune espèce de difficulté d'ailleurs, parce que tu sais. Bon. Mais elle, ça lui a apporté un bonheur inimaginable. En plus, il y avait une idée assez nouvelle, c'est qu'elle jouait son propre rôle. C'était bien fait d'ailleurs. Et alors, dis donc, j'avais la chance d'avoir une dialoguiste. Voilà ce que j'allais dire. J'ai malheureusement perdu parce qu'elle a fait. Elle a mal tourné. Elle a fait un métier sérieux. C'était Françoise Giroud. Elle avait fait des dialogues absolument adorables. C'était charmant ce film. Moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs.
c'est vraiment une histoire de copinage, de copains. Pas par personne interposée d'ailleurs, entre Jean et moi. Tu sais, on tournait beaucoup dans les studios à ce moment-là et je l'avais côtoyé tout le temps. Et alors ça avait été au début Monsieur Gavin, Grangier, Gilles, ah, puis c'est devenu Gilles, Jean, et puis on a fini par se tutoyer. Et on est devenus très copains comme ça. On avait les mêmes goûts, hein. On allait au même sport, on allait à la boxe, on allait au vélo. Mais sous le fil du temps. Buffalo. Buffalo. C'est là où il y avait la fameuse expression que Gavin employait souvent quand il lisait un scénario qui lui plaisait. Il disait, mes enfants, ça c'est du BSA extrapiste. Alors tu voyais la gueule des auteurs, Orange ou même Audiard, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire, il n'y a que moi qui comprenais. Parce que j'avais été, comme lui, un fidèle spectateur des courses-poursuites et des américaines au parc à Buffalo, au Veldiv. Et à Buffalo, il y avait une grande réclame qui était, tu sais, qui faisait tout le fronton. Rouler sur BSA, le BSA, le roulement extrapiste. Et Gavin avait gardé ça, comme dit, tu vois, c'est ce qu'il y a de plus extra, ça. Ils l'ont dit, alors c'est que c'est vrai. Et ils nous sortaient ça tout le temps. Mais je dois dire que la rencontre avec Gavin, ça a été pour moi formidable. Elle s'est faite comment ? Il n'y a pas de doute. Sur ce film. Elle s'est faite. C'est-à-dire qu'il a été. Moi, j'étais très, 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 très bien en place dans une maison qui s'appelait Sirius. Parce que justement, ils avaient fait tous mes méchants machins, les guétarinades, là, les petits trucs que je ne renie pas, hein, je suis ravi d'avoir fait ça. Et un jour, un type de chez Sirius, qui s'appelait Hubert de Rouve, me dit donc, on a une affaire avec Gabin. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je dis, moi, je saute à pieds joints. Et ils ont donné à Gabin trois noms à choisir. Et un jour, Gabin vient me trouver, j'étais en train de tourner un truc avec Perrier, je ne m'en rappelle plus trop. Les jeunes mariés, je crois. Les jeunes mariés. Oui. Et il y a un machiniste qui me dit, il y a Gabin qui est à la porte, qui t'attend. Je dis, il a fait le rentrer, hein. Il ne veut pas. Bon, alors je vais voir Jean, je lui dis, pourquoi tu rentres pas ? Il dit, je ne veux pas déranger, tu sais, moi, je n'aimerais pas qu'on vienne m'emmerder, alors je ne veux pas déranger. Il dit, on va faire un film ensemble. Il dit, pourquoi, t'es ténor ? Non, c'est une blague un peu, je n'y croyais pas du tout. Il me dit, j'ai été voir tes amis sérieux, ils m'ont convoqué pour faire un truc, c'est pas trop mal, La Vierge du Rhin, qui était un roman de Nord, je crois. Pierre Nord, oui. Et il me dit, moi, ils m'ont donné trois noms à choisir, j'ai pris le tien. Parce qu'on se connaît un peu, qu'on s'aime bien, quoi. Ça a commencé comme ça, c'est aussi con que ça, mon fils. Et alors, comme on est parti faire ça à Strasbourg, c'est-à-dire en extérieur, c'est-à-dire qu'on vivait ensemble 24 heures sur 24, on est devenu copains, et à la fin du film, Jean a jugé que sa prestation n'était pas tellement bonne. Il m'a dit, je t'en ferai un autre. Et on en a aligné une quinzaine, quoi, presque. Ouais, 12 ou 13, ouais. 13. C'est ça, c'est aussi bête que ça. Et alors, ce virage vers le registre dramatique, c'était quelque chose qui s'est facilement passé, ou tu quittais quand même un univers dans lequel, oui, tu étais à l'aise, tu dis toi-même, oui, des films charmants, et d'un seul coup, oui, c'est des films, oui, mais noirs. Écoute, moi, je vais te dire... Si les auteurs dramatiques me tombent dessus, tant pis, c'est plus facile. C'est plus facile parce que tu as en général des histoires mieux construites, et qui se réfèrent à des vraies choses, des vrais sentiments. La fantaisie, il faut tout le temps imaginer. Moi, j'étais très à l'aise dès que... Puis comme j'avais la confiance du vieux, tu sais, ça a marqué à l'époque. Hein. Oui, alors le vieux. Ah, bah le vieux. Parce que là, vous avez, dès qu'on rentre dans la période Gabin, et puis Audiard, vous avez un langage codé. Alors, il y a le vieux, il y a la grande, il y a. Oui, etc. Il faudrait que. Moi, j'étais le gros. C'était, voilà, d'abord, comme... c'était Renoir, après, c'était moi. Et Michel était le petit cycliste, parce qu'il avait fait des américaines au Veldiv. Et Gabin adorait ça. Il nous appelait. Alors il m'aimait, vous me le rendez bien, vous m'appelez le vieux. Il était au courant de tout. Alors, bon, Cabin et toi, c'est une chose, mais la rencontre aussi avec Audiard. Bah, avec Audiard. La formation du trio, si je puis dire. La formation du trio. Attends, faut que je remémore un petit peu mes souvenirs. Je me souviens, moi, être allé présenter Gamin à Audiard, chez Audiard, quand il habitait boulevard Port-Royal. C'était une époque plutôt un petit peu grise pour Michel. Il n'y avait pas beaucoup de sous, il n'y avait pas beaucoup de. Et je me souviens que le linge des mômes, il avait déjà un môme ou deux, je ne sais plus, était pendu dans la grande pièce sur des fils. Le père Gamin, hein, écartait les liquettes pour arriver jusqu'au bureau où Michel nous attendait.
Et ça a été le coup de foudre. C'était Gazoil, non ? C'était Gazoil. Mmh. Ça a été le coup de foudre. Alors tout ceci était un petit peu aidé du fait que le producteur de Gazoil était le beau-frère Vaubert. Et que la grand-mère de ce type-là était copine avec la grand-mère de ma femme. Tu vois, c'est tout un peu, c'était la mafia dourdanaise. C'est à Dourdan que ça est né, tout ça. La mafia dourdanaise. Tu comprends, c'était formidable d'avoir... Moi, je suis ravi d'avoir été à la jeunesse de ça, parce que gamin au dire, fallait que ça marche, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Et je dois dire que Jean, qui était très, très fidèle, et il me l'a prouvé 20 fois, aurait bien aimé avoir renvoyé un ascenseur à Prévert. Et alors, je lui ai expliqué... Prévert est venu nous voir, d'ailleurs, ça a arrangé des choses, mais... Je lui ai expliqué que Prévert, à ce moment-là, faisait des romans pour les enfants qui vivaient dans le Midi, que c'était très compliqué. Moi, je voulais placer mon gars, tout près, tout. Mais alors, j'ai dit à Michel, fais-moi donc la première scène, là. Tu sais, là, le truc où il y avait vraiment... Après les prémices, il y avait une petite scène. Alors, Michel écrit ça, puis je l'apporte à Gabin, qui me dit, tu crois que j'ai pas compris ? Ben, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as compris ? Ben, il dit, c'est Audiard qui a écrit ça. Je lui ai dit, oui, ben, lis-le. Et à la fin, c'est là où il était formidable, il m'a dit, mais c'est un cadeau, ton copain. Voilà. Et donc, début d'une collaboration fructueuse, d'une collaboration qui va à la fois être extrêmement populaire, oui, et être du succès, et qui va en même temps se faire taper sur les doigts par toute une partie de la critique, parce que je crois qu'il faut en parler quand même, là, vous devenez... Moi, je me suis fait assommer pendant une vingtaine d'alpiges par ces braves gens. Si tu veux. Je dois dire que je n'ai pas un amour fou pour les critiques, parce que je pense qu'on pourrait faire autre chose. C'est très facile de démolir en une demi-heure, quand tu as un peu d'esprit, un travail de 6 mois, c'est pas compliqué. Quand j'étais cinéphile, j'étais passionné de cinéma américain, mais aussi de cinéma français. Avec les gens du Nickelodeon, par exemple, on voyait un maximum de films français. Et là, on se différenciait de d'autres cinéphiles. Mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de préjugé un peu défavorable envers certains cinéastes, et préjugé avec lequel on n'était pas complètement d'accord. On allait de toutes les rétrospectives à Cinémathèque sur les cinéastes français. Préjugé qui avait été imposé un peu par Truffaut, et Jean contre tout un type de film français. Et je me rappelle avoir découvert, un peu d'ailleurs sur les conseils de Jacques Lourcel, de quelqu'un de Présence du cinéma, d'avoir découvert Le sang à la tête, arrêtez-le voir, et de m'être dit, mais c'est un film qui est très très bien. Je ne vois pas pourquoi on accole certains qualificatifs à ce genre de film. D'abord, il y avait... des plans d'extérieur formidables, un sens de la narration tout à fait précis, et l'impression de sentir quelque chose de très français, de découvrir un paysage français, et pas fabriqué, juste, où les métiers étaient importants, où le rapport au travail était important, où les sentiments étaient justes. Après ça, j'ai été voir d'autres films de Gilles Granger. Le Désordre et la Nuit, par exemple, m'avait également énormément plu. Énormément plu. Comme Gasoil, que j'ai revu en vidéo il n'y a pas longtemps. Il y a des trucs épatants dans Gasoil. Tout ce qui est le matin, le réveil de Gabin, les types qui préparent le café, qui fait tourner le moteur, les plans des camions qui rentrent dans les villes et tout. Il y a tout un côté qui est vraiment d'ailleurs tellement juste, Gabin pénétrant dans un bistrot avec des réparties formidables d'Audiard, et qui sont en plus des réparties justes, qui ne sont pas mots d'auteur, ou picolant à un moment avec plein de bouteilles et tout, il y a des dessins. C'est d'ailleurs tellement bien qu'on finit presque par regretter qu'il y ait une intrigue policière. Alors moi je suis étonné, je reviens à l'idée de film noir, parce qu'à ce moment-là tu signes un film, enfin à ce moment-là vers 56-57, que Alain Corneau considère comme le meilleur film noir français presque, qui est Le Désordre et la Nuit, et j'ai l'impression que c'est, peut-être que je me trompe, que c'est plus ton univers que la comédie, le film noir. C'est possible. Je te dis, je crois que c'est plus facile. Puis alors, ça dépend des sujets que tu touches, tu vois. C'est bon, Le Désordre. Un bel choix. Oui.
Puis j'ai eu la veine de dégoter, je suis allé faire des... pas des essais, mais des auditions en Allemagne, et j'ai trouvé... La Jatiller. La Jatiller. Un rêve. D'ailleurs, on n'a pas un bon souvenir de Nadia Tiller. Ah bah non, parce que prétendait que je m'occupais que de Nadia Tiller. Alors je lui dis, écoute, Daniel, elle n'est pas à peine française, c'est normal. Oui, mais c'est pas la peine d'aller lui faire répéter son truc chez elle. Il me dit, qu'est-ce que t'as dit ça? C'est Chiffon. C'est Chiffon, ma vieille strip, que t'as foutu un merdier dans tout ça. Alors que vraiment, je te jure, je n'en parlerai pas si c'était vrai. J'allais vraiment lui faire compléter le texte, parce qu'elle annonnait au début. Mais quelle comédienne. Je suis désolé, je ne l'ai pas revu parce qu'elle est venue. Ben, elle a retourné avec Gabin après, oui. Pas chez toi. Oui, je suis à Paname, mais. Oui. Ah, Jean avait eu un coup de soleil, hein. Un coup de soleil professionnel. Mm-hmm. Mais le fait est qu'elle était formidable. Il y a un décor très étonnant dans ce film qui est la rue de Ponthieu. La rue de Ponthieu. Et c'est un décor. Ben oui, parce qu'il y avait beaucoup de scènes à faire là dans cette rue où ça se passait énormément de choses. Je ne pouvais pas tourner dans la rue de Ponthieu même à des heures indues. Je pouvais pas, concentration des acteurs, c'était pas possible. J'avais à l'époque un copain qui était décorateur, qui s'appelait Loire Hinault. Il lui dit, on pourrait pas reconstituer un peu ce truc. Moi, je veux bien faire un ou deux plans de situation, mais ça va pas être bon, parce qu'on raccordera jamais bien, parce que c'est pas possible. Fais-moi une rue de Ponthieu à l'échelle de Billancourt, et puis on se démerdera. Et une partie... Après, c'était un vieux truc que j'avais vu chez Ludwig Berger. Partez sur des détails. Et puis après, tu peux te permettre tout ce que tu veux. Et il est évident que l'apport d'un décor naturel, c'est absolument étonnant. Mais c'est surtout étonnant, à mon avis, quand les scènes sont, sinon dramatiques, du moins réalistes, sérieuses. Tu vois. Moi, je comprends très bien que les films réalistes se fassent dans des décors naturels. On me dit, ça, c'est du vrai bois, ça, c'est du vrai macadam. C'est... Quand je fais une comédie, je m'en fous, moi, que ce soit du vrai macadam. Ce qu'il faut, c'est une espèce de champagne autour. Et le champagne, c'est même pas le Beaujolais du pauvre, hein, du français moyen. Hein. Alors, ça va bien pour des choses. Mais j'ai pas eu de mal du tout à rentrer dans ce... Je te dis, pour moi, c'est tout simple. À condition d'avoir une bonne histoire. Parce que si t'as une histoire qui parle dans le mélo, alors là, tu te bannes complètement. Hein. Enfin, c'est mon... Marc, les tourner en extérieur, ça peut avoir des inconvénients. Je pense à La Cuisine au beurre qui commence en extérieur et qui est repris en studio 6 mois après. Oh, c'est affolant. Mais j'avais quand même eu la chance de pouvoir sauver les extérieurs. Il y a eu une panne de finances. Oui, il faudrait peut-être le film. Je me rappelle plus en juin ou juillet, si tu veux, pour prendre. Et puis, mon producteur, qui est probablement le meilleur producteur qu'on ait jamais eu en France, qui était Dorfman, m'a dit, je suis embêté, j'ai des soucis. Pécuniaire, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, écoute, si on s'arrange avec les deux, on peut... Ou on arrête, ou on recommence, ou on... Enfin, arrêter, c'est pas une solution. Et on a eu une petite réunion avec Bourville et Fernandel. Il me semble que c'était chez Fernandel à Carrivarouet. Où les deux ont très bien compris, Bourville était ravi parce qu'il avait envie de faire une tournée, et Fernand d'aller à la pêche. Alors ça, c'est pas trop mal passé. Et on a repris 6 mois après, mais c'est très difficile de se rejeter, de retrouver. Parce que je voulais, moi c'était... Alors, j'avais mis une question d'amour propre, c'est que j'avais une heure de film, je voulais la garder. Comprends, je voulais absolument utiliser tout ce qui avait été fait. Ceci dit, j'avais de très bons extérieurs, puis il y avait des éléments, il y avait André, il y avait... Ces acteurs du midi qui sont merveilleux, qui sont... Alors, je me suis un peu servi de ça. Mais j'ai eu des sueurs froides, hein. J'ai eu du mal. Hein. Alors, le film le plus critiqué de toute ta carrière, c'est celui-là. Oui, sûrement. Et c'est celui qui a rapporté le plus d'argent. Et toi, il est dans les 10 ou 12 meilleures recettes mondiales de l'année. Alors, hein, qu'ils aillent se faire voir. On vient de parler de La Cuisine au beurre. Et justement, je voulais parler d'un acteur que tu as connu bien avant La Cuisine au beurre, qui est Bourville. Ah! Parce qu'en fait, tu as travaillé avec beaucoup de grands comiques, dont Bourville. C'était extraordinaire, Bourville, parce que, bon, c'est un merveilleux acteur, comme chacun sait, mais il avait un don étonnant, ce type-là. Je crois que s'il n'avait pas été acteur, il aurait été amuseur de foire. Il avait besoin, ce type, qui avait un physique extrêmement
comment dirais-je, banal un peu, banal, oui. Commun, avait une espèce de flamme, il avait besoin de... Et je crois que d'ailleurs qu'il a commencé à faire des trucs comme ça. Maintenant, on dirait qu'il s'est exprimé. Mais à ce moment-là, je crois qu'il chantait dans des petits trucs, chez lui, en Normandie, etc. Et je l'ai connu par... C'est merveilleux encore comme histoire, ça. C'est Berthemieux. Ça te dit quelque chose, Berthemieux? Oui, celui qui n'avait pas si bête. C'était, ouais, oui, un bonhomme formidable. Et Berthemieux avait signé deux contrats à la fois. Ce qui peut arriver, ça n'arrive plus maintenant, mais ça pouvait arriver à ce moment-là. Et il m'a dit, donc, je suis emmerdé, j'ai deux contrats. Alors je t'en refile un. Et il m'explique qu'il avait un contrat avec... Et moi, il me donne un contrat avec un... comment dirais-je, une très bonne histoire. C'était Par la fenêtre. Par la fenêtre, oui. Une histoire arrangée, d'ailleurs. Mais enfin, c'était pas mal. Et il m'a dit, ça me ferait très plaisir que tu prennes... Bourville, parce que d'ailleurs faut que tu le prennes, parce que si tu fais Par la fenêtre sans Bourville, c'est pas possible, le contrat ne marche plus. Enfin, bon, prends Bourville. C'est le début des opérations, ça. Là-dessus, le producteur me dit, ah, j'hésite beaucoup entre Michel Philippe et Suzy Dolaire. Oui. Bon, là-dessus, Clouzot, grand ami, le merveilleux Clouzot, me téléphone et il me dit, je suis dans la merde, faut que tu prennes Suzy, ça nous sauve. Fantastique. Bon, j'avais aucun engagement avec la petite Michel Philippe. Michel Philippe. Mmh. Et je dis, bah oui, pourquoi pas. Et je dis au producteur, je dis, Suzy Delair quand même, c'est bien, etc. Et on signe Suzy Delair. Mes emmerdements ont commencé. Je ne peux pas savoir ce que c'était que cette bonne femme. Hein? Je le dis, je lui dis à elle, je lui redirai 20 fois. Elle n'a pas arrêté de m'emmerder. C'était, en plus, cette espèce de salaud de Clouzot m'avait promis qu'il reverrait les textes. Oui, oui, non, mais je lui ai dit 20 fois, je peux parler. Et il n'a jamais écrit une ligne. Et je me suis retrouvé avec Suzy Delair qui n'avait qu'une idée, c'était d'emmerder le monde. C'est bizarre. Et comme Clouzot tournait à ce moment-là à Rome, elle me disait, téléphone-lui que tu es en train de me caresser. Enfin, tu vois, j'ai été, moi, honnête homme, embarqué dans cette aventure. Et ça s'appelle Par la fenêtre. Alors, je veux dire, justement, tu t'es laissé embarquer par des hommes connus, parce que tu me dis que Clouzot, il a dit, je vais t'écrire, il n'a rien écrit. Ouais. Mais c'est, ouais. C'était pas la première fois, parce que si je me souviens bien, Marcel Pagnol, t'avais dit sur Cavassou qu'il écrirait, reverrait le texte, et il n'a pas écrit une ligne non plus. Donc là, il y a, oui, y a une constante, là, quand même. C'est d'ailleurs affreux ce que je vais te dire, parce que Pagnol, il avait adoré Adémaï. C'est parti d'Adémaï, tu vois, tout le monde, quand même, hein, ça sert un peu le passé. Et Marcel m'invite chez lui, et à Marseille, dans son, je ne sais plus où c'était, à côté de Marseille. Et il me dit, moi, je fais pas le film, c'est mon frère. T'es un con, d'ailleurs. En passant. Il me dit, il est con, mais ça fait rien, tu t'arrangeras avec son accent. Et je te referai les dialogues. Alors, je me suis dit, tout d'un coup, avoir un film avec les dialogues de Pagnol, les yeux fermés, j'y vais, quoi. Il n'a jamais écrit une ligne. Mmh. Mais je dois dire que René était charmant. Puis pour finir, j'ai fait un film dans des conditions très agréables. Mais c'était pas un bon film, c'était pas écrit, tu comprends, il n'y avait rien, c'était pas en place, quoi. Et moi, quand j'ai pas un texte en place, je me refuse d'être auteur parce que je sais pas. Alors, quand j'ai pas un texte en place, quand j'ai pas... Je suis un façonnier pour finir, tu comprends. Et quand j'ai pas une bonne formule pour démarrer mon histoire, je suis malheureux. Il y a un acteur dont on a oublié de parler. Que tu as, je veux dire, complètement affirmé comme un acteur important, je sais que c'est Gavin qui te l'avait présenté, c'est Ventura. Quoi. Ouais. C'est vrai que Lino, il a débuté Touché par Busby, ouais. mais il a eu ses premiers rôles importants dans Trois jours à vivre, il a eu dans 125 rues Trois jours à vivre, 125 rues voilà, ouais. Et parle-moi un peu de lui, parce que c'est... Bah, c'était un espèce de... D'abord, c'est un type qui avait la chance d'avoir un physique étonnant. Je parle pas de sa tronche, je parle de l'ensemble. Une santé à tout casser. Et je sais pas, il avait une espèce de vérité, tu sais. On avait toujours l'impression. Il jouait pas, Lino, il rentrait là-dedans, on lui expliquait un peu le personnage. Il était difficile, hein. Moi, j'ai passé des journées entières, tiens, ici, là, dans ma chambre, avec Lino, parce que j'étais un petit peu grippé, il venait pour avoir des détails sur le truc, etc. Mais il gommait tout ça après.
qui était fantastique. Hein. Il avait besoin de savoir. C'est Gabin qui l'a dit un jour. Oui, c'est Gabin un jour qui m'a dit. Le Rital. Viens voir, je tourne en ce moment avec un Rital, il est de première, faut qu'on se le fasse. Voilà exactement le texte. Hein. Il n'y a pas un mot de changé. Et je dois dire que je m'en suis bien sorti, je m'en suis bien trouvé parce que j'ai fait avec Lino deux ou trois choses que j'aime beaucoup. 125, c'est formidable. Et que... puis, j'ai fait un autre truc avec lui où il était. Trois jours à vivre. Qui n'était pas un bon film parce qu'on avait Paul Rond, parce qu'on avait des producteurs déficients. Mais on s'est bien tenu un peu les mains et on a fait quand même une histoire un peu convenable. Et ce que tu as ressenti, toi, en tant que réalisateur, c'est une espèce de naturel, de nature. Ah oui, mais c'est évident. Parce que dans Saint-Sécurement Mars, c'est flagrant. Moi, je viens de revoir le film, je trouve que c'est évident. Étonnant comment ce type bouge la baraque. Il est rentré là-dedans, comme ça, avec cette espèce de. Je ne veux pas dire de force, d'équilibre physique. Parce qu'il était intelligent, malin. Il avait cette espèce de côté qu'ont les Italiens de la nuance. Il était assez formidable, les noms. Il était servi par un physique étonnant. Mais il avait effacé ça. Il se servait pas de ça. Il venait comme toi, comme moi, comme un bonhomme. Il arrivait là. Et puis, il disait ce qu'il avait à dire, il disait ce qu'il avait à faire. Mais tout ça était, comment dirais-je, c'était pas du tout du hasard. Il était venu avant me voir 10 fois, comme il a été voir tous les metteurs en scène avec lesquels il a travaillé, pour être bien sûr de ce qu'il faisait, parce qu'il avait, un sentiment étonnant, c'est qu'il voulait que ce soit parfait. C'est drôle, hein. Il était très difficile avec nous, bien sûr, mais avec lui avant, pour que les choses soient très bien notées, très... Alors, tu pourrais pas lui faire jouer le monsieur de Pourceaugnac, mais dans ces choses, comment dirais-je, près de la nature, près de la vie, près de la nature, il était imbattable. Tu pouvais lui faire jouer Jean Valjean. Ouais, formidable. Alors, je profite des acteurs. Il y a eu tout un moment où toute l'histoire du cinéma s'est écrite en disant le metteur en scène, le metteur en scène, le metteur en scène. Les acteurs, c'est comme si ça n'existait pas. Et puis, il y a aujourd'hui ce que dit Bertrand Tavernier sur toi, qui est intéressant, qui dit. De toute façon, Grangier, je ne pense pas que des acteurs comme Jean Gabin, Lino Ventura, auraient travaillé avec quelqu'un s'ils n'avaient pas eu de l'estime pour lui. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'importance d'un acteur dans un film qui a eu tendance à un moment, encore une fois, dans l'appréciation d'un cinéma, à disparaître, qui revient aujourd'hui, mais simplement sans polémique, simplement. Qu'est-ce que tu penses de l'importance d'un acteur? L'importance d'un acteur, pour moi, c'est essentiel, c'est lui qu'on voit. Tu comprends? Ce qu'il faut, c'est que nous le mettions en bonne condition pour qu'il fasse le mieux possible ce qu'il a à faire. Travaille d'un metteur en scène. On ne dirige pas un acteur. On le dose. Tu vois? Très souvent, moi, j'ai dit à Gamma, arrête, c'est pas là la scène dramatique. C'est dans 2 jours quand tu ouvriras la porte, etc. Mais tu ne le diriges pas, tu n'as pas besoin. Il n'a pas besoin de ça. Il se dirige tout seul. Très bien. Mais. On les dose parce qu'ils ont toujours tendance à mettre un maximum, c'est la générosité. Et s'il n'y a pas de générosité, il n'y a pas d'acteur, à mon avis. Ou il n'y a pas de bon acteur. Il faut qu'il soit généreux, il faut qu'il y aille à tous les coups. Et c'est là où je crois qu'on est utile, au théâtre ou au cinéma. C'est-à-dire, ils ont devant eux un espèce de type en qui ils ont confiance, ça, il faut. Et qu'il les remet un peu dans le droit chemin, tu comprends ? Parce qu'ils sont toujours un peu portés à faire un maximum, surtout quand ils ont une nature riche comme les nôtres, tu comprends ? Les autres, tu lui disais, écoute, on fait un petit truc là, on organisait une petite lutte avec Hirsch, par exemple. Et à la fin de la prise, Hirsch, on pouvait plus. Et Lino m'a dit, tu sais qui m'a fait mal, ce con, ben, parce qu'ils sont allés, tu comprends, tout d'un coup, ils sont rentrés dans la situation d'une façon étonnante. La confiance, ça me paraît quelque chose de très important, c'est vrai. Et bon, même si l'histoire a finalement été un peu décevante, c'est sans doute à cause de cette confiance que Gabin Fernandel, fondant une maison de production. Ils ont appelé la Gaffer. On fait appel à toi pour la Gingrande. Ils m'ont confié de faire le premier film. Je crois savoir que ce film, c'est une histoire un peu douloureuse parce que c'est quelque chose qui a déçu et toi. Bah, je vais te dire. Et pourquoi? C'est d'abord de ma faute. Au départ, ils voulaient faire un film chantant. Alors, j'ai vu le vieux chantant une mélodie et Fernand faisant son truc, alors que Beco triomphait, enfin que c'était tout à fait autre chose. Je dis, je vais aller me répondre, c'est pas possible. Et j'ai amené Pascal Jardin sous ma manche. J'ai dit, il faut qu'on leur écrive une histoire. Enfin, on a ces deux mecs, il faut quand même qu'on s'en sorte. Mais je ne veux pas d'une histoire chantante. J'ai eu tort, peut-être.
Peut-être ça aurait été très drôle de faire une comédie musicale avec eux, j'en sais rien. J'en suis pas sûr, hein, parce que c'est tout de même un moment où, les jeunes avaient besoin d'autre chose, quoi, tu comprends, c'est pas tellement marrant. Et Sauté, enfin. Sauté est arrivé. Hein, et alors Sauté est venu, mais malheureusement Sauté avait un contrat, il nous a lâché un peu vite. C'est comme ça la vie. Ah, les réparateurs, il est venu, puis il est parti, cet enfoiré, là. Il est parti un peu tôt. Là. Ouais. On s'en veut pas d'ailleurs, la vie passe. Mais j'ai été à ce moment-là un peu déboussolé, je me suis trouvé avec un espèce de film un peu hybride. Et ce qu'on peut me reprocher, c'est qu'en ayant ces deux types, j'ai pas fait un gros sujet. Oui. Cela dit, ce que je trouve intéressant, c'est que t'as innové quelque chose qui a été repris et qui a fait des succès foudroyants avec Houry, c'est l'idée, comme dans La Cuisine au beurre, de réunir deux acteurs comiques ou des grands acteurs ensemble. Mais pour un réalisateur, réunir deux monstres comme Gabin et Fernandel, ça donne quoi sur le plateau? Parce que c'est pas évident. Hein, eh ben oui, mais d'avoir à la fois Jean Gabin et Fernandel, mais comment tu fais? Alors je te reparlais, on parlait de la confiance tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est rigolo, j'avais de temps en temps l'impression d'avoir affaire à des débutants, m'écoutaient. Parce qu'ils voulaient. Il y avait, d'ailleurs, l'un et l'autre sont des gens qui, moralement, sont très bien et très forts, très digne, et que personne ne voulait bouffer l'autre. Enfin, il n'y avait pas de compétition, si tu veux. Il s'agissait de faire quelque chose de convenable. Fernandel ne faisait pas avec Gabin ce qu'il allait faire avec Bourville dans La Cuisine au beurre. Il ne commençait pas une scène de dos pour finir de face. Pas avec Gabin. Non, il pouvait pas. Ah, mais ça, c'est intéressant. Gabin, elle l'aurait baisé. Il serait arrivé de face avant lui. Là, avant. Parce que j'aime autant te dire qu'il connaissait la musique, le vieux. Mais. Ils ont, je sais pas, je suis très fier de ça d'ailleurs, ils m'ont fait une confiance totale. J'ai raté mon coup, je l'avoue, parce que j'aurais dû travailler davantage, avoir un grand sujet pour eux deux. On peut pas deux mecs comme ça pour faire une petite. Moi, ce qui m'amusait, c'était de faire une petite histoire tous les jours. Et ben, je me suis trompé. C'est pas pour te voter, ils s'en ressentent énormes, mais est-ce que eux étant producteurs, c'était pas. Pas du tout. Plus dur, je veux dire, non, dans le sens où absolument ils n'avaient pas d'idée, ils n'ont pas été... Non, absolument pas. Ils n'ont pas été du tout emmerdants, sous cet angle-là. Bah, ils se sont pris un petit peu pour la Metro-Goldwyn, mais ça n'a pas duré, ça. Ils ont cru qu'on allait en faire une dizaine, enfin que deux à l'affiche, mais ça n'a pas duré, ça. Et quand ils ont vu le film, ils ont dit... Le gamin n'était pas content. Et Fernandel, c'est... D'ailleurs, j'ai eu une petite... comment dirais-je, une petite baisse de forme avec Jean à ce moment-là, ce qui m'a fait de la peine, parce que je l'aimais comme un frangin. On s'est retrouvés. C'est grâce à Fernand. C'est Fernand qui nous a ramenés. C'est drôle, hein? Mais je dois dire que je me suis gouré. Tu comprends, quand tu touches deux mecs comme ça, faut trouver... il aurait fallu que je trouve un grand sujet. Sur un plateau de Gilles Grangier, d'abord, il y avait une vraie bonne humeur. Il y avait... une vraie complicité entre le metteur en scène et l'équipe. Et puis, il y avait cette magie que l'on a perdue un peu, c'est-à-dire la magie des acteurs. Moi, j'étais un peu comme Gilles. J'ai commencé comme acteur. Je voulais être comme acteur. J'ai très vite basculé parce que je me suis aperçu que j'étais pas terrible, que j'étais pas très bon. Alors, je suis passé de l'autre côté de la caméra. Et j'ai eu la chance de rencontrer très vite Gilles Grangier et j'ai fait un long parcours. Et ce que Grangier m'a appris, c'est surtout le comportement vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis d'une équipe, vis-à-vis d'une histoire, vis-à-vis d'un récit. Parce qu'aujourd'hui, on se prend un peu au sérieux, on oublie la notion de spectacle, on oublie l'émotion, on oublie la générosité trop souvent. Et Gilles avait cette particularité, c'était cette formidable générosité vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de son équipe. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une certaine fidélité avec l'équipe. On restait, c'est formidable. J'ai fait quand même 10 films en 6 ans avec Grangier. Ça prouve qu'il en faisait lui pas mal aussi. Mais il y avait une fidélité réelle entre le metteur en scène et l'équipe, et souvent avec les acteurs. Alors il se passait quelque chose de tout à fait formidable pour un assistant, même si l'assistant, contrairement à ce que l'on croit, l'assistant metteur en scène ne fait jamais de mise en scène. Mais si on regarde avec attention Grangier quand il tourne, eh bien on apprend un vrai métier, le métier de metteur en scène, car Grangier était un homme d'extérieur, mais c'était aussi un homme de studio.
ce que j'appelle aujourd'hui un vrai metteur en scène, un vrai réalisateur, et il l'a prouvé. Mais ce qui est drôle, c'est que comme assistant, bon, ben, qu'est-ce que c'est qu'un assistant sur un plateau? C'est un homme orchestre, c'est un homme à tout faire, c'est un intermédiaire, c'est un tampon, c'est un confident. Et puis c'est aussi un homme qui doit répondre à certaines questions. Et la grande question de Gilles, c'était à partir de 10h du matin, où est-ce qu'on va bouffer? Qu'est-ce qui est organisé? Alors, s'il n'y avait que Gilles Grangier, ça allait, mais s'il y avait en plus Jean Gabin, c'était... Alors, dis donc, t'as prévu quelque chose? Parce qu'on ne va pas rester là toute la journée. À un moment, dans certaines critiques, on a écrit, à propos justement de la traversée de Paris, que Gabin ne supportait pas d'avoir un acteur de sa taille en face de lui. C'est pas vrai. Toi qui as travaillé énormément avec lui... C'est pas vrai, c'est normal de dire ça. C'est ridicule. Il m'a toujours dit, tu prends les meilleurs. Au contraire, tu dis, il n'aimait pas porter le badat tout ça. Oui, il dit, comme ça, je ne porterai pas le chapeau tout ça. Les vieux de la vieille, ça l'a rendu fou de joie parce qu'on avait réussi à avoir Freinet avec des difficultés. C'est lui qui avait pensé à Freinet. Moi, j'avais amené Noël, bien sûr. Et la production voulait Fernandel, ce qui n'enlève rien à Fernandel. Mais je trouve que ça enlevait un petit peu la notion. Cette espèce de type du midi qui arrivait, qui casse tout. Ça m'emmerdait. J'aimais mieux... je voulais Noël. Bon, alors j'ai eu Noël. Et puis, c'est Jean qui m'a dit que ce serait une bonne idée de prendre Pierre. Pierre, c'est Freinet. Il dit, c'est le Pierre, là-dedans, il serait formidable. En fait, il y avait une fidélité de Gabin vis-à-vis des gens avec qui il avait tourné. Parce que tu me disais qu'il voulait Prévert pour Gazerèche. Oui, absolument. Il y avait une façon absolument. D'essayer de, renvoyer Écoute, la, de vouloir renvoyer l'ascenseur. Bah, bien sûr, on a fait 12 films ensemble. Alors, c'est que de temps en temps, il disait pas non, quand même. Tu Et vois, avec quelqu'un comme Lié, par exemple. Il adorait Bernard. Oui. Il disait ça, tu sais rouler avec Bernard, c'est formidable. Mais il allait plus loin parce qu'il y a des acteurs, Berry par exemple. Il avait une admiration folle pour Berry. Il me disait, le seul emmerdement, c'est que tu sais pas s'il va lui. Berry. Oui, Il disait, il est formidable. Moi, j'ai jamais vu un type pareil. Il me disait, c'est l'acrobate, c'est le mec number one. Et ce que tu sais pas, c'est ce qu'il va dire. Alors, on sait jamais où on va bien démarrer. Mais ceci dit, c'était quand même un enchantement. Tu vois, il adorait travailler avec des types un peu, comment dirais-je, hors du commun, quoi. Il adorait ça. Je ne sais pas si on a envie de quand même de vouloir dire, encore une fois, par rapport à ce qui est écrit, quelqu'un comme Gabin, le film terminé, il le regardait, je veux dire, il s'en foutait pas du non, film. Non, pas du tout. Parce qu'on a écrit en disant tous ces gens-là qui... Pas du tout. Genre, alors, c'est à ce moment-là où c'était merveilleux, parce qu'il y avait cette espèce de, tout d'un coup, de simplicité, tu sais. Il me disait, je peux aller voir quelque chose, moi, je voudrais voir quelque chose. Ben, je lui dis, tu viens, j'ai un montage dans 2 jours, deux, trois séquences. Il venait, il ne faisait aucune réflexion, comme ça. Quelquefois, il me disait, dis donc, c'était rarement sur lui. Hein. Il me disait, d'ailleurs, pour un acteur qui s'appelait Maurice Rémy. Oui. Il m'avait dit, Léon, t'as des chutes de ça, tu devrais le remettre de face. Remets-le de face, il est formidable. Tu vois, c'est insensé. Il avait en projection un œil d'homme de cinéma qui n'était plus du tout Gabin. Et qui était généreux vis-à-vis des autres. Totalement. Généreux vis-à-vis des autres et qui ne pensait qu'au film. Combien de fois il m'a dit, souvent dans Les Vieux de la Vieille, on avait des déjeuners un peu tumultueux, il faut te le dire. On travaillait le matin de bonne heure. Les trois, là. Et alors, le déjeuner était un peu tumultueux. Et je vais te dire quel était... Ça va t'épater, ça, mais je vais te dire quel était le gamin. C'était Freinet. Parce que Freinet, il marchait. Quand on arrivait, il était déjà à moitié rond. Ça, je suis désolé de dire ça, mais il avait fait le tour de la place. D'ailleurs, les bistrots me renseignaient, me disaient les pensées. Bon. Et je tombais sur un Pierre qui était... Et alors, j'ai compris très vite et je faisais mes scènes importantes le matin. Et à l'après-midi, alors on se levait difficilement, d'ailleurs. J'en mettais mes types en place, on repartait dans quelques champs ou quelques trucs. Et le vieux m'avait dit un jour, je dis, mets-moi de dos, je t'en prie, mets-moi de dos. Non, c'était adorable. C'était une période folle. Moi, j'étais heureux comme un pape. Si les papes sont heureux, j'en sais rien. Et moi, j'étais vraiment heureux comme un fou avec ces gens-là. Pigeon, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'était fantastique.